Bonjour à tous et à toutes et je se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu point sur la chaîne parce que vous avez vu qu'il n'y avait pas eu de vidéo pendant 2 semaines. Et je pense que personnellement c'est pas vraiment de ma faute mais c'est quand même un peu de ma faute. C'est-à-dire que je n'avais plus du tout de wifi. J'étais dans l'incapacité d'avoir de la wifi. Voilà, j'ai pas pu du tout en fait. J'avais fait le montage de ma vidéo donc sur le 3, si je me trompe pas, c'est le 3e épisode d'Inside. Je l'avais fait, il était vraiment tout préparé et tout, et en fait, il était vraiment. Je trouvais qu'il était vraiment trop tôt pour utiliser ma wifi tout de suite parce que j'étais en train de faire quelque chose d'autre à côté. Et le lendemain, boum, plus de wifi. Et donc aujourd'hui elle est revenue, donc aujourd'hui en ce samedi 19, c'est ça? Exact, samedi 19 novembre, je vous fais cette vidéo, donc elle sera upload le même jour même, voilà je vais essayer en tout cas. Donc voilà, je voulais faire un petit point sur la chaîne et vous expliquer maintenant ce qui va se passer et clairement ces 2 semaines aussi ça m'a permis vraiment de réfléchir à mon avenir sur YouTube. Donc si tu te demandes qu'est-ce que je fais en arrière-plan, et ben ce sera expliqué dans cette vidéo, mais en tout cas c'était juste des essais et ce n'est pas définitif. Donc au niveau du sommaire, enfin bref, ouais, c'est un peu libre, mais bon, c'est bizarre. Donc au niveau de ce que je vais vous parler, donc d'un site internet, donc voilà. De la qualité de mes vidéos qui va très 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 rapidement améliorer, qui va être très très rapidement améliorée, hein. D'ailleurs ça fait bizarre de dire ça parce que je crois que c'était il y a 2 jours ou un jour, non hier, t'avais Julia Games, enfin voilà, je vais pas aller sur ce sujet là, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de m'intéresser à ce sujet. Moi personnellement je trouve que les critiques sont inutiles, voilà, c'est juste mon avis dessus. Bref, donc voilà la qualité des vidéos qui va s'améliorer et tout simplement le but de mes vidéos et ce qui va se passer très très prochainement. Donc voilà. Donc je pense qu'on va pouvoir commencer par le site internet parce que ce sera le plus intéressant je pense dans cette vidéo avec la qualité des vidéos. Et... enfin ouais, ce sera le plus intéressant quand même parce que c'est ce qui va me permettre de suivre mon actualité, etc. Donc je vais créer donc un site internet. Donc j'en avais déjà créé un qui était pour le graphisme, etc. Mais je sais pas si je vous l'avais présenté, je ne me rappelle plus. Mais je trouvais ça, enfin j'ai trouvé ça un peu nul et vraiment pas bon. Franchement moi j'ai pas apprécié ce que j'avais fait. Donc du coup je vais recommencer. À partir d'aujourd'hui ou demain, je vais me mettre à 300% pour essayer de créer le meilleur site internet. Donc, ce qui sera fait, c'est tout simplement donc déjà un onglet accueil. Enfin, j'ai un peu fait à mon idée, etc. Donc, un onglet accueil qui vous présentera un petit peu, qui vous redirigera. Sur certains onglets, etc. Je sais pas trop comment ça va se passer, je sais pas trop comment je vais le faire. Je sais que ce sera pas moi qui hébergera le site pour l'instant, mais je risque peut-être un jour de le faire pour qu'il soit vraiment de très bonne qualité. Donc il y aura aussi un onglet news, donc voilà, pour un petit peu savoir quand les vidéos sortiront, quand il y aura une nouvelle série, etc. En fait, le site internet, pour tous mes abonnés, ce sera tout simplement des news en avance. Tout ça sera en avance. Donc, effectivement, ce sera plutôt cool. Donc, quand vous passerez sur le site, vous allez juste aller dans l'onglet news et vous saurez déjà sur quel jeu se passera le prochain let's play après Inside, sur quel thème un nouveau graphisme
sera présent, etc., etc. Il y aura aussi un onglet donc vidéo, donc vous aurez la possibilité de regarder mes vidéos directement via le site web sans cliquer sur YouTube. Je sais pas trop s'il y aura la possibilité de le mettre en plein écran, j'espère que oui, parce que sur certains sites il n'y a pas cette possibilité là. Donc il y aura mon onglet Twitter, enfin non, social plutôt, donc où je vous présenterai. Je sais pas trop comment ça je vais le mettre aussi, enfin, mais je sais pas trop si ça sera possible d'afficher complètement une page Twitter, etc. Je vais voir comment ça se passera. Mais en tout cas, il y aura tous mes réseaux sociaux et ce sera plutôt cool. Enfin, même s'il n'y en a pas vraiment, mais je vais essayer d'en faire un peu. Je vais donc aussi faire un onglet donc graphisme portfolio pour en fait vous montrer ce que je fais. Donc dès qu'il y aura une image que j'ai fait, soit pour le plaisir, soit pour quelqu'un qui me l'a demandé, elle sera directement mise dedans. Et comme ça, en fait, je marquerai essai ou quoi. Et comme ça me permettra déjà de voir à moi mon évolution, comment j'ai pu évoluer dans le graphisme, et de voir vous aussi ma qualité. Et pourquoi pas essayer vous aussi de faire des commandes. Donc ouais, voilà, cette catégorie-là est aussi très très importante. Donc voilà. Et peut-être que je ferai donc une galerie. Tout simplement mon petit coin de fan, voilà, ce sera un petit truc comme ça. Donc qu'est-ce que ça contiendra? Tout simplement, ça contiendra donc enfin, simplement, ce sera mon coin où il y aura vraiment pas de limite. Et pour vous aussi, je vais essayer que vous ayez la possibilité de commenter ou quoi, et donc de vous aussi connaître vraiment mon avis sans limite sur des exemples. Donc faut savoir que je suis un très très grand fan d'Harry Potter et donc des animaux fantastiques, puisque j'ai été voir le film récemment et j'ai adoré d'ailleurs, je vous le conseille. Donc voilà, Halo aussi, je suis un très très grand fan de Halo, je suis un très très grand fan de Gears of War, Call of Duty, j'y viens, mais franchement, je suis content. Donc des résultats de foot, de basket, bref. Voilà, ce sera mon petit coin de fan, etc., où je m'exprimerai. Voilà, où je ferai un petit bulletin qui sera directement mis sur ça. Donc là, par contre, il y a un petit bug à l'écran. Enfin, je vais vous le laisser. Je vais vous laisser parce que j'ai pas mal de choses à dire. Et il me reste pas beaucoup de temps. Donc, au niveau de la qualité des vidéos. Un nouveau micro, je vous le saoule avec ça, mais très très bientôt, je suis en train vraiment aussi de me mettre vraiment d'activité pour essayer de trouver un micro qui soit vraiment qui améliore la qualité de mes vidéos. Et franchement, ça me motive un peu parce que j'essaye vraiment, j'étudie plein de micros, etc., et je regarde ce que j'en suis capable de faire. Donc, au niveau donc maintenant donc là on voit qu'il y aura des petites barres noires, etc. Vous voyez ça. C'est de ma faute, je suis désolée, c'est juste parce que je rec avec j'ai mal rec en fait. C'est comme ça, c'est tout simplement mal rec. Mais sur les prochaines vidéos, vous n'aurez plus ces petites bandes noires et vous aurez tout simplement un bon truc. Vous aurez aussi donc maintenant de la meilleure qualité de vidéo. Alors, je sais que je propose des fois, mais pas tout le temps, du 4K, etc. Mais je vais vraiment essayer de trouver à chaque fois la meilleure qualité possible dans tous les recoins, c'est-à-dire avoir la possibilité d'avoir une bonne qualité audio, d'une bonne qualité visuelle, etc. Et tout simplement de vous embarquer dans mon coin à moi, dans ma chaîne YouTube, tout simplement. Donc voilà. Et donc, ce qui va se passer maintenant pour les vidéos, bah, tout simplement, déjà, plus de gaming. Très rapidement, il y aura pas mal de gaming. Parce que, voilà, c'est bien le graphisme,
Je m'entraîne tous les jours, je fais à chaque fois des trucs comme ça, mais c'est sûr que si je vous présente que du graphisme, ça me représentera pas. Je serai pas sur ma chaîne, je me trouverai plutôt sur une chaîne sur laquelle je ne fais pas ce que je veux et c'est pas ce que je veux tout simplement. Ça fait bizarre. Mais c'est voilà, c'est pas ce que je veux faire. Je veux tout simplement avoir la possibilité de vous proposer donc des graphismes et avoir la propose et vous proposer d'Unity. Comme ça, vous pouvez tous vous y retrouver. Donc au niveau des playlists, je vais en créer. Pas de problème. Maintenant, il y aura vraiment tout répertorié, c'est-à-dire Let's Play Inside de 1 jusqu'au je ne sais pas combien de temps, parce que j'ai tourné que 3 épisodes. Donc voilà. Donc je vais essayer aussi donc de me mettre au live stream. Donc voilà, du live stream sur notamment peut-être l'épisode 4 de Inside. Je pense que ce sera celui-là. Ou l'épisode 5. Je vais essayer de me mettre au live stream. Je sais pas trop comment ça va se passer. En tout cas, vous saurez, il y aura donc des rediffusions. Franchement, pas de problème s'il y en a qui peuvent pas suivre. Il y aura des rediffusions. Et à chaque fois en HD. Voilà. Je vais vraiment. J'attends impatiemment Noël, je vais vous dire. Parce que c'est là où j'aurai donc. À partir de Noël, début 2017, vous aurez tout simplement la meilleure qualité possible sur mes vidéos. Et comme ça, on partira vraiment de bon pied sur YouTube. Et franchement, ça sera une sorte de nouveau départ sans vraiment que ça le soit. Donc, il y aura évidemment première chose, et ça sera cool. Si c'est possible, directement début 2017, dès la sortie d'Halo Wars 2, boum, je vous sors un let's play. Franchement, ce sera mon futur let's play, je pense à Halo Wars 2. Alors, je sais qu'il va y avoir énormément d'attente, mais Halo Wars 2, faut savoir que Halo Wars 1, j'ai aimé et kiffé en même temps. Mais franchement, je me suis beaucoup, beaucoup pris au jeu. Et j'ai énormément adoré. Halo Wars 2, la bêta, j'ai testé. J'ai kiffé. Mais pas vraiment. C'est-à-dire que ça répondait pas vraiment aux attentes. Et donc, justement, je me disais, je vais attendre les escarmouches, je vais attendre la campagne, et je vais voir comment ça rend. Donc voilà, j'attends impatiemment. Enfin, voilà, je pense que je vais essayer de faire plus de gameplay. Tout simplement, vous aurez des gameplay PS4, vous aurez des gameplay Xbox, vous aurez des gameplay PC, et enfin voilà, vous aurez plein de choses. Je vais vraiment m'investir et ce sera vraiment bien. Et franchement, je vous promets, c'est à de belles choses. Et peut-être que c'est que des paroles en l'air, mais en tout cas, j'espère, même si je vois pas dans l'avenir, j'espère vraiment que ce ne sera pas que des paroles en l'air. Voilà, et j'espère que ça se fera et que tout ce que je suis en train de vous dire, ce sera bon. Donc voilà, donc on arrive bientôt à la fin de la vidéo. Je voulais juste vous dire vous aurez donc mon site internet dès qu'il sera possible de vous le montrer complètement fini, machin. Donc normalement j'espère qu'il sera prêt, fini très bientôt. Et ben vous le verrez. Donc voilà, donc je vais vous laisser sur la fin sans son. Voilà, je vais finir le montage comme ça. Je vais vous laisser, donc n'oublie pas de laisser un like, n'oublie pas de t'abonner si tu ne veux pas rater donc le let's play d'Inside, etc. Et si tu ne veux pas rater le meilleur début de ma chaîne, tout simplement, depuis assez longtemps. Donc voilà, donc laisse un like, commente, partage, et si tu veux, abonne-toi. Puss!